Coucou les jeunes, petite vidéo nature champêtre. Voici une belle petite fleur sauvage. Qu'est-ce que cette petite fleur sauvage assez commune dans les jardins et les petits coins sauvages comme je suis là? En fait, c'est ce qu'on appelle une Mercurialis annua. C'est son nom scientifique. La Mercurialis annua, qui se fait manger par des insectes, la pauvre, est une plante herbacée. L'inverse de ligneuse. Et c'est une plante qui fleurit en décembre. Comme vous pouvez le voir, elle a des petites inflorescences toutes mignonnes. Et c'est une plante unisexuée, c'est-à-dire qu'elle a les fleurs mâles et les fleurs femelles sur un seul plan. Mais en plus, elle est trimonoïque, c'est-à-dire en plus d'avoir des fleurs mâles et femelles, elle a des fleurs qui sont mâles et femelles, les deux en même temps. Donc elle est unisexuée, mais elle est aussi hermaphrodite. C'est une jolie petite plante, comme j'ai dit, qui fleurit en décembre, mais qui peut faire entre 30, 40, voire 50 cm de haut, selon la nature du sol. C'est à trouver ce qui lui convient pour sa croissance. Et cette jolie petite plante a une petite caractéristique qui ne se voit pas trop en vidéo, mais elle a la tige carrée. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la tige ronde, elle a la tige carrée. C'est généralement le cas des plantes de la famille des Lamiacées, mais celle-ci, elle appartient à la famille des euphorbes, des euphorbiacées. Une jolie petite plante adorable. Nature merveilleuse, n'est-ce pas les jeunes ?